Voilà, ce soir, premier vol pour le Sabre version 2. Alors, qu'est-ce que j'ai changé depuis la dernière fois? Il a le nez qui est plus long ici, pour avoir la place de mettre plus de place pour avoir une caméra HD avec le refroidissement. Il a des ailes qui sont un petit peu plus longues, ce morceau-là est plus long. Les ailerons sont en une pièce, encore plus modulaire qu'avant, parce que si, maintenant le serrage est ici, avant il était là. Donc là, cette pièce-là, elle n'est pas collée au reste. Il y a une pièce, deux pièces, trois pièces indépendantes dans l'aile, donc on peut changer n'importe laquelle des trois. Les nacelles sont collées sur cette partie-là. En surface, il fait 7 à 8% de surface à l'air en plus, à peu près. Les nacelles sont maintenant assez grandes pour mettre les ESC dessous. Il y a une petite sortie d'air ici. Ça évite de les avoir soit dans le tunnel là, soit à l'intérieur du fuselage. C'est quand même plus commode de les avoir derrière le moteur. Une caméra HD O3. Donc on a largement la place. Dedans, un tout petit lipo, j'ai mis un 4S1000. En moteur, j'ai toujours mes 22,06 avec des 5 pouces. Donc largement surmotorisé. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai mis un lipo plus costaud, celui d'avant il m'avait l'air vraiment anémique. Et puis j'ai centré un peu plus arrière, les lafonds contre la clé d'aile. Faudrait pas non plus que ce soit le début d'une série de pas de chance. Bon, deuxième essai. Ah là on a du... Là on a des watts. À peu près deux fois la puissance du lancer d'avant. Ouais, je suis obligé de tirer à fond, à fond. Il doit être encore centré 3 avant. J'ai peut-être pas beaucoup de débattement sur les ailerons. J'étais à fond tout le long là. On va le mettre tout de suite en mode manuel. Ah oui, il est centré avant. Il a l'air plus stable que la première version. Il est légèrement plus grand. Je vais quand même garder des gaz, on va pas voler à basse vitesse parce que... Un peu vite, mais c'est pas non plus un avion qui va voler à 25 km/h, hein. Il faut un peu de vitesse. En conclusion, bien content de mes modifications, il faut que je déplace les tétons de centrage. Visiblement, il faut le centrer bien plus en arrière, d'au moins 10-15 mm. Et puis je vais rajouter de la course. En fait, je viens de penser, avant j'avais des palonniers longs sur les cerveaux qui faisaient bien 5-6 mm de plus, et donc là j'ai assez peu de course, donc il faut que j'augmente la course dans les nappes pour avoir plus d'autorité, parce qu'au décollage j'étais vraiment à fond tout le long, donc ça plus le centrage sûrement un petit peu avant a fait que c'était un peu juste, mais sinon par ça, bon pour le service.